c'est long. C'est long et enfin le temps il passe pas quoi. Le temps passe pas. Après j'ai aussi une petite fille qui m'attend à la maison. Ma femme est aussi soignante, donc je sais ce que c'est. Enfin je sais le rush qu'ils ont. Vraiment, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues, des patients qui se rêvent des fois 2-3 jours sur des brancards. Ça, pour ma part, en 8 ans, j'avais jamais vu ça, jamais. Et du coup, ben, effectivement, ça, le service, des fois, se transforme un petit peu en service de médecine. On s'improvise un service de médecine aux urgences, parce que les gens qui sont là depuis 2-3 jours, ben, ils ont besoin de manger, d'avoir des soins de nursing, un peu de l'attention, que des choses-là qu'on ne procurait pas aux urgences, en fait. Ce n'est pas notre cœur de métier. Hein. Les lits se font de plus en plus rares avec des patients qui restent de plus en plus longtemps puisqu'on arrive eux-mêmes, les services, n'arrivent pas à sortir les patients dans des structures soit de rééducation, soit de domicile et avec des lits fermés, en particulier des lits de gériatrie, ce qui nous impacte directement avec la résultante et des patients sur des brancards 24-48 heures, ce qui n'existait pas il y a 2 ans. Et qui s'aggrave aussi dans cette année, hein, vraiment, surtout sur ce site de Haute-Pierre, et en particulier pour les personnes âgées. Et ça, c'est effectivement un peu quelque part choquant, quoi.